Alors, ça fonctionne. Ça a l'air d'être fluide. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Ouais. Et alors, on va peut-être réduire la taille pour pouvoir justement souiller ça. En même temps que le mien. Ouais, c'est pas grave. C'est pas la mort d'homme. Voilà, comme ça je sais voir si c'est fluide. Hop. Petit enregistrement vidéo pour LOL de Transformice, ça sert à rien, mais bon. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais. Ouf. Voilà, un peu de difficulté là. Ah, mais non. Ah, mais non. Non, je... Ça fait quoi si je fais ça? J'en sais rien. Comme je peux pas savoir trop si ça fonctionne, ça va être compliqué. Hop, remonter. Hop. Mais c'est pratiquement que des gamins pour l'instant sous site. C'est ce que j'ai remarqué surtout. Donc voilà quoi. C'est que des gosses pour l'instant qu'il y a. Ouais, c'est bien, mais je saurais pas monter. Il y a beaucoup de chamans incompétents parce que c'est des gosses de 10 ans, quoi. Mais sinon, c'est quand même sympa à jouer, mais bon, voilà, c'est des gamins quoi, qui jouent la plupart du temps. Y a des gens, comme des amis à moi qui jouent aussi, mais. Je veux dire, ici, c'est sûrement encore des gosses la plupart du temps parce qu'ils savent pas écrire. C'est un truc pour les enfants à la base. Hein, donc, Par contre, purée, qu'est-ce que c'est galère quand t'as des gens qui font n'importe quoi. Regardez, maintenant, il m'a coincé carrément le type. Très intelligent. Donc, du coup, je sais pas passer. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas très futé. Oula, je suis où, moi? Ah, je suis là. Ah ouais, une version Flappuber. J'ai pas compris la logique de ce truc, mais bon. Bon. C'est un peu comique, certes. Avec les saccades, c'est pas pratique. Ouais, ça m'étonne pas. Vu que ça saccade... À cause peut-être que j'enregistre, je pense que c'est ça qui fait que ça saccade comme ça. Donc du coup, je crève parce qu'il y a des petites saccades comme ça. M'amuse à crever toutes les années. Après, je vais vous montrer une astuce pour pas devoir devenir chaman parce que je sais pas, vous avez pas envie de vous taper les gens qui vous manquent de respect et vous avez juste pas envie de faire chaman parce que c'est chiant. C'est vraiment ultra chiant d'être chaman. Des fois, quand tu sais pas, au pire, si t'achètes éventuellement des trucs, là peut-être éventuellement ça peut être marrant, mais sinon c'est ultra chiant d'être chaman donc. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu que le truc était de travers donc. Je m'en excuse. Depuis le début, vous avez rien vu. C'est de mettre bien au centre, plus ou moins bien au centre, ça devrait moyennement aller. Merde, je suis mort en même temps en faisant une modification. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
C'est tout chiant, après vous devez attendre. Est-ce que vous êtes mort comme une grosse merde? Ah, qu'est-ce que c'est long. Je sais même pas qui c'est. Sûrement peut-être un hacker ou un truc autre, mais en fait il faut faire très attention à ces gens-là. Je sais pas qu'est-ce. Enfin non, là, je pense que c'est juste, c'est pas un hacker, hein. C'est sûrement quelqu'un qui veut échanger un objet, mais je vais rien échanger du tout. Il peut fumer. D'ailleurs, si je trouve dans les options pour stopper justement les échanges, ben, je le fais. Parce que ça m'intéresse pas, moi, en fait. Tout ce qui est échange. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà. D'accord, j'ai pas modifié le micro, non, j'ai modifié bon truc. Ouais, là je sais pas qu'est-ce qui. Ouais, il faut que l'autre se bouge le cul, à mon avis. Voyez, mon petit personnage, il est là. Et je suis en train de. C'est le Mi-13, quoi. Vous voyez, c'est ma souris Fennec. J'ai pas que ça comme comme objet, hein. J'ai d'autres choses. J'ai d'autres bazar. Je vais vous montrer ça de suite. Oups. Pas grave. Enfin, je pourrais réagir, mais je m'en fous en fait. Il a essayé de faire de son mieux. Voilà. J'ai plusieurs tenues en fait. J'ai celle-là, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Stylé, hein. Bon, je vais devoir modifier certaines tenues parce que c'est un peu trop mis. Donc, sinon, à part ça, pour le reste, on s'en fout du reste de tenues. C'est des tenues que j'ai depuis un bon moment. Les autres tenues, ils sont deviennent useless, elles sont pas terribles. Hein, donc, c'est long. C'est très long. À attendre que la souris là elle se bouge là. Allez, bouge ton cucu. C'est ça. Ah, ça y J'ai vraiment mis le strict minimum hein, pour OBS. Hein. C'est vraiment pour dire. J'ai mis. 720 et 30 FPS et pas plus quoi, c'est vrai, MP4 et vraiment pas plus quoi, c'est vraiment le maximum de chez maximum en termes de, enfin non même pas, je dis des conneries, le strict minimum pardon. C'est suffisant. Ça y est. Allô. D'accord, bref, c'est pas joué, c'est un incapable. Bon, au moins j'essaye au pire, si vraiment je tombe dans le truc. Mais je dis pas à tout le monde de se suicider, quoi, c'est débile. Ah, oula. Attention. Tu
Lol, regardez l'autre qui troll. Voilà. Ça, c'est un gamin qui veut faire chier son monde, ça se voit. Au lieu de jouer correctement, tu sais, et pas faire chier son monde. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord, hein. Oula, non, c'est trop tard. Ah, j'ai compris le principe, en tout cas. Non, qu'est-ce con? Je suis un imbécile. Alors là, maintenant. J'ai réussi. Oui, et là, je fais quoi? Ouais, c'est... Pardon, il y a les curseurs qui se mettent... Ah merde, là on est un peu dans la merde. En plus, le verre, il fait dodo. Donc il pourrait pas essayer de mettre un bazar. Ah mais non, il est trop loin, le pauvre. C'est con. Tenue. Oh non, pas tenue, ça. Fourrure. D'où elle vient la fourrure fleurie, là? C'est un truc. Waouh, il y en a beaucoup. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Non, ces modifications, il me semble, n'existent pas en soi. Celle-là, c'est vraiment ma préférée. On dirait une sorte de fennec, en fait. Et ça, c'est stylé. Ah, j'ai pas été dans le bon endroit. On va pas me dire qu'ils sont pas un peu débiles ceux-là. Celle-là, elle était conne parce qu'elle aurait pu passer comme ça et faire comme ça. Elle aurait su très bien passer malgré tout et malgré tout, elle a quand même décidé de. Parce que quoi qu'il arrive, tu sais, tu montes jusqu'en haut, donc tu ne meurs pas tant que tu n'arrives pas jusqu'au ciel, il me semble. Normalement, c'est ça. Donc du coup, en bref, elle aurait su très bien se débrouiller. Parce qu'on sort toujours du truc. C'est dommage qu'elle n'a pas essayé de tenter en tout cas. Oula, tout qui s'est pété la gueule. Il y a un time-up maintenant aussi à ce niveau-là. Oh putain de merde, j'ai failli me péter la gueule pour un truc aussi simple. Ah, ça m'a déjà arrivé de me péter la gueule pour des conneries. Hein. Bon, après, je vais dire que c'est tout le monde, ça. Voilà, c'est bon. C'est vraiment un petit jeu de rien du tout, quoi. C'est un petit jeu de détente. Mais sincèrement, ça m'intrigue de savoir où elle a eu ce costume, celle-là. Ouais, normalement, c'est un costume, c'est une sorte de souris, ça, normalement. Or, c'est une sorte de coiffure. Parce que c'est marrant. Pas qu'elle m'intéresse, hein. Enfin, je sais pas, mais c'est juste pour voir comme ça, quoi. Il faut peut-être voir au niveau de la tête en fait. Oui, je suis mort. Je
sais qu'est-ce qui s'est passé, c'est juste que le truc est dysfonctionnement ou il y a eu un souci, du coup il n'est plus là quoi. Donc la personne a une tenue rare du fait que c'est parce qu'elle se l'a remis ou elle a un souci. Comme avec Animal Jam en fait, c'était le même. Il y a eu souvent des moments où t'as le truc qui en fait il manque des personnages et ça c'est marrant. Ça pourrait être possible avec celui-là par exemple. Il pourrait à un moment ne plus être disponible. Ceux qui l'ont acheté, c'est toujours s'équiper de personnages, mais par contre, ceux qui veulent l'acheter, bah, ils savent pas parce que le personnage n'est plus disponible temporairement, je présume. Après, sur Animal Jam, ils ont dit temporairement, mais le truc, il est toujours pas disponible depuis des quelques mois, hein, donc je sais pas si c'est temporaire. Je pense que c'est une couille. Ah, ça, des fois, quand vous appuyez, ben, ça écrit tout seul. Par contre, après, je vais donner une astuce quand je suis arrivé jusqu'en haut. Donc, ici, pas là. Ou là. Eh ben, si vous voulez pas être chaman, il suffit de, en fait, tout simplement quitter le salon et revenir. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, ça fait que vous revenez à zéro. Voyez où je veux en venir? C'est une astuce très très pratique quand vous voulez pas du tout être chaman. Parce que vous voulez pas quoi. Ça vous intéresse pas. Putain, mais c'est lent. C'est ultra lent. Oui. Non. Oh oui, merci. Putain, parce que là, c'est abusé. Qu'est-ce que c'était ultra lent? Là, doucement. Ouais, c'est ma faute. Hein. Ouais, bon. C'est une map. Bon, elle donne, je sais pas si elle est compliquée ou pas. Ça devra une, ouais, c'est, ah non, ah non. Ouais, c'est une map de merde. Regarde la souris là. La pauvre, elle a du mal. Donc, quand c'est comme ça veut dire que la map elle est merdique. Elle est faisable, mais la personne entre guillemets n'a pas pensé à ceux qui débutent, donc c'est vraiment pour les gens qui sont habitués, quoi. Regarde la pauvre là, elle est en train de galérer à Sudoka 22 là, elle est en train de galérer à essayer d'atteindre le putain de fromage de merde là qui veut pas venir. Et ça, je me mets de tout cœur avec elle, je suis d'accord avec elle que la map est pas terrible. Moi, en fait, je préfère les maps vraiment hyper simples. C'est tellement la belle vie quand c'est des maps simples. Vois, celle-là, elle est cool. Parce qu'elle est pas difficile. Enfin, sauf si tu crèves comme une grosse merde. Mais là, comme je vois, c'est une map faisable. Elle est fun. Après, certains m'ont dit, ouais, mais c'est bien d'avoir un peu difficile. Moi, non. Faut pas l'intérêt parce que pour moi Transformice c'est un jeu de détente, donc si le jeu il t'amène à des maps compliquées, c'est plus un jeu de détente, alors c'est un jeu hardcore, donc ça m'intéresse pas du tout. Surtout que ça change rien au niveau de gagner quoi, que tu es dans une map hardcore ou pas. J'ai même l'impression que justement la map, si elle est moins hardcore, bah, tu gagnes plus de niveau parce que tu vas plus vite. Donc en fait, c'est un paradoxe. Enfin, un paradoxe, on va dire. C'est pas... Enfin, je sais pas si on peut dire un paradoxe, mais c'est pas intéressant. Après, c'est mon point de vue. Moi, je préfère des maps hyper simples parce que Transformice, pour moi, c'est le fun. Ok, ça fonctionne. Salut à tous. Donc c'est
Delphish, bon, ici c'est marqué Lumi 13, mais c'est Delphish à la base. Et mon personnage. Donc ici vous avez tout simplement toutes mes tenues que j'ai de base moi. Et ben voilà, c'est un petit jeu. Bon après j'y joue pas hyper longtemps. Oula, c'est pour vous montrer un vieux jeu que je joue que j'ai pu jouer depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fait? Mon de Dieu. Non. Ah bah je suis mort. Ouais, ça, des fois tu as des petits comiques qui enfin quoique ça a l'air d'être pas vraiment malveillant de sa part parce que apparemment il l'a fait pour aider les autres mais j'ai pas eu la chance, je me suis retrouvé en dessous et voilà. Donc je pense pas que c'est merde, tu chaman, ça fait chier. Ah non. J'ai horreur le chaman. Qu'elle les aider lui-même. Normalement, j'aurais pas dû être chaman avant un bon moment, c'est bizarre ça quand même. Bon, une astuce si vous voulez pas être chaman, parce que moi j'aime pas le chamanisme. En fait, ça, voilà. Bon, là, je suis beau gosse, j'avoue. Hop, voilà, au fait, hop. Et voilà. Oula. Ça c'est ouh. C'est non. Bon voilà. Soit. Donc vous voyez là, j'ai tout simplement interverti et du coup, ça fait que mon pseudo est de retour tout en bas. Bon là, j'ai pas fait attention parce que j'étais occupé à. À faire des tests de tournage et tout, donc du coup ça a foiré, j'ai pas fait attention que ça montait. Mais excusez-moi pour mes problèmes de nez. Bah, comme vous voyez, en fait, c'est tout simplement une petite vidéo détente, hein, vraiment. J'aime bien les niveaux hyper simples en fait où tu prends pas la tête. En tout cas, ce genre de jeu, c'est juste pour se pavaner entre groupes et faire des trucs ensemble et tout. C'est marrant. C'est drôle, drôle. Par contre, c'est chiant quand tu dois vraiment attendre la fin du truc parce que tu es mort, quoi, tout simplement. Mais peut-être pas que ça, donc. D'accord. Ah bah ça a été rapide. Ça a été rapide. Alors. Allez, 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 monte. Putain, dessous. Bah oui, mais ça sert à rien, il y a le truc ici, là. Il y a ça, regardez, je sais pas passer entre. J'ai pas le pouvoir de me compresser, donc du coup, c'est pas possible. Donc, c'est le chaman qui doit s'en occuper. Allez, danse de beau gosse. Comme vous voyez, on a plusieurs. On a en fait plusieurs. Trucs. Vous voyez? Là, je vous montre plusieurs trucs qu'il y a. Bon, après, ça se peut, le mec, il imagine que je suis en train de draguer, mais non, c'est complètement faux. C'est juste que je suis en train de tester les. Surtout qu'il y a un skin complètement merdique. Mais voilà, en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que je suis en train de tester. Je suis en train de vous montrer tout simplement. Je pense que je vais peut-être attendre, non? Ouah, putain de merde, parce que je ne le sens pas. Je vais attendre que. Oula, c'est quoi cette couronne? Ah voilà, ça il faut. Oula, je suis mort. Bah bon, voilà, c'est réglé. Mais il y a vraiment des skins assez bien spéciales. Ça s'est un peu plus amélioré.
Enfin, c'était déjà pas mal. Hein, mais... Le jeu était déjà sympatoche, mais ici, j'ai remarqué qu'il y a plus de... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, parce que j'ai vu un stud. Ça m'a ouvert Google Chrome. Je ne sais point pourquoi. Donc voilà, c'est la fête du Google Chrome. Hein, voilà, c'est Google Chrome INC. Alors, bah écoutez, il faut attendre le prochain. Comme vous voyez, en fait, c'est tout simplement des suites de niveaux où vous faites ce genre de choses-là et que vous avancez, tout, c'est sympatoche. Bon, après, quand vous savez jouer, parce que moi, je ne sais pas jouer correctement, pour les jumps, je ne suis pas très doué. Surtout que je joue avec une seule main, donc comment vous dire que c'est pas super pratique. Quand vous savez pas, vous savez pas. Alors quand vous êtes une salope, vous faites ça. Hop. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, quand j'arriverai au moins là, si je y pense, je quitte et je reviens pour justement éviter de. En fait, je sais pas si je vous l'ai déjà dit en fait, parce que du coup, ouais, normalement je vous l'ai dit. Au pire, je vous le répète, parce que je sais plus trop si je l'ai dit vraiment dans cette vidéo ou dans l'autre, parce que j'ai fait des tests d'enregistrement. Comme je l'ai expliqué, en fait, pour pas devenir tout simplement chaman, parce que ça m'énerve le chaman, parce que les gens ils te traitent de ils savent pas écrire, regardez-moi ça, ils savent tout ça, ils écrivent en langage, c'est horrible, ça fait mal aux yeux, et en plus c'est des gosses de 8, 10 ans, 14 ans, peut-être qu'il y a des gens de vingtaine comme moi, mais voilà, c'est quasiment des gosses la plupart du temps, et en fait, ces gens-là, si t'insultes pour un rien, hein, tu te foires, tu fais des ils t'insultent direct, quoi. Donc, après, tu vas me dire, en soi, ça risque rien pour moi, ça va pas me bannir ou quoi, mais c'est chiant. Donc, du coup, la technique, c'est que, comme j'ai pas envie de me casser le cul à faire du. Et surtout que j'ai plus joué depuis 4 ans, donc du coup, je me rappelle plus des touches pour faire du chamanisme, donc pour faire des racolages et tout, parce qu'il y a plusieurs machins pour faire. Allez, comment on appelle. Pour faire le truc, en fait, il y a plusieurs machins. Je sais pas comment on appelle ça. De vis. Il y a des vis qui fait tourner le truc, il y a des vis qui fait que ça penche dans tous les sens, il y a des. Enfin, ça se tourne tout soi-même. Et il y a des vis qui fait que ça reste fixe. Et en fait, j'oublie lesquels c'est, je sais plus lesquels c'est. Et il faut appuyer sur des boutons différents, C, B et tout. Donc, du coup, je me bourre tout le temps, et du coup, ça sert à rien, et c'est chiant. Attends, mais il n'y a pas de. Mais il y a pas de truc. Voyez un peu le style de jeu que c'est. Hein. C'est vraiment un truc sympa. C'est vraiment un jeu de détente, quoi. C'est le. Un jeu vraiment pour s'amuser. C'est pour les enfants la plupart du temps, mais c'est vraiment un bon jeu malgré tout, quoi. D'ailleurs, j'aurais bien voulu trouver une peluche, en fait, à l'époque, mais. J'en trouve pas. Je pense qu'en fait, on peut les trouver qu'en France, dans les conventions, justement, transformistes. Je suis en Belgique, donc je vais pas aller en France pour ça. Hein. Oula. Vous voyez, il a foiré. C'est pas qu'il ne le fait exprès, mais c'est un truc qui se colle. Et du coup, le mec, il a foiré. Donc le machin, il tient pas correctement, j'ai l'impression. Ah si. Mais voilà, c'est des couilles comme ça, en fait. C'est des soucis comme ça.
Voilà. C'est pas assez facile. J'ai prévu. Putain,